On ne peut pas les contrôler parce qu'à mais par exemple, le méchant est mauvais partout. Eh bien, pas qu'à l'église, mais pas qu'à l'église, mais pas qu'à l'église. La puissance de Jésus-Christ te libère totalement. Je te déclare délivré de la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Nous t'avons vaincu à cause du sang de Jésus. Je proclame ta délivrance dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Comment il s'appelle? Ça va? Lève-toi. Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Nous venons du temps et Dieu nous dit que Dieu nous fait la voix. Aidez-le. Aidez-le. Vous ne discutez pas avec démon. On va dire que ça ne sort pas. C'est que je ne connais pas ton autorité. Oui, oui. Tu n'as pas sorti. Vu que Jésus n'est pas moi là, toi. Eh bien, j'ai dit, voyez-vous. Ça va? Qu'est-ce que tu as vu sortir de ton corps? Éperdu. On acclame Jésus pour sa délivrance. Il est délivré. Ok, c'est bien, c'est bien. Il va être important. Il va venir prêter serment. Il est délivré, donc. Devant Dieu. La police se retourne. La Bible dit ta parole te condamne. La parole te justifie. On est presque seulement devant Dieu. La police est en train de se faire. Il n'y a pas de piste. Devant Dieu. Et il y a la Bible qui vient prêter serment. Jésus vient maintenant dans le mandat. Vous êtes devant Dieu. L'Américain a compris, c'est la vie, toute la vie. Un créatif de mort, il a dit. Qui l'a violé ça? Oh, pardon. Dieu va le châtier. Il va la mort à la planète. Bon, je dis même pas. On est d'accord? Oui. Le jour où tu reprends la société, on t'enterre. Où est son île? Avec son île. C'est comme un bouclier. C'est comme une mine. On a mis ça. Avec mon lit, il allait voir les gens. Il est bien rapide, il est bien, 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 tu vas parler, tu as raison, toi tu es plus grand que moi. Lève la main. À partir de maintenant, et juste devant Jésus, je vous donne dans ce chemin que je vous donne. Amen. C'est ta parole qui te condamnera, c'est ta même parole que je suis là. Le jour où nous trouvons dans cette pratique, que du châtiment de Christ va se faire. Amen. Madame Tenez, votre fils est délivré. N'ayez plus peur de lui. Son environnement, je veux l'aider. Son intégration. Il y a un peu de temps. Un peu de temps. La parole de Jésus. C'est la particularité du ministère. Ici, quand il vient, les sorciers, il n'est pas délivré. Il ne connaîtra pas. Il est dit. Il te comprend. Et puis, on prie pour toi. La tour de Niger. Les chats, vous envoyez la nuit. Viens, la fille. Et messieurs, la dame de la nuit. Messieurs, il est dans le bas. Hein? Il a pris. Viens. À 16 ans, c'est un messieurs. La fille de Marie. Ça va? Moi, c'est un bouche, je ne sais pas, c'est la tête. Ils n'ont pas regardé ça. Ses parents sont là? Oh, moi, oui. Ah, d'accord. Nous allons l'aider. Ok. Ah, bon, je n'aimerais pas que vous interprétez mal les aveux. Ah, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça. Après les aveux, ah, bon, rassurez-moi qu'il ne sera pas maltraité. Ah,
Après ses aveux, je ne veux pas qu'elle soit rejetée. Après ça. Est-ce qu'on est d'accord? Les parents venez ici. Si on est d'accord, on va chercher les aveux et faire sa délivrance. C'est avec votre accord. Ça va? C'est votre fille? Bien. Elle est sorcière. Vous reconnaissez ça? C'est avec votre accord. Dieu est d'accord pour la guérir. Comme on a un bon. Ici, il y a un principe, c'est les aveux. Oui, on peut dire un bon. Vous êtes d'accord qu'elle fasse des aveux? Oh, bon. Tout ce qui va faire ressortir, avec lui, ça. La condamner plus après. Alors, il y a un zéro. Il veut nous aider à l'aider. Se débarrasser de ce démon. Il va ouvrir un zéro. C'est un sorcier. Qui t'a donné? Avant. Ouais. Hein? Comment ça s'appelle? L'exemple est un sorcier. Il va pas donner. Hein? Non, celle qui t'a donné son stérile, son nom c'est qui? Quelle grand-mère? Maternelle, maternelle. Maternelle. Elle est où? Vous êtes qui? Combien t'as donné son stérile? Parfois. Pas encore. Non, on a compris manger là, laisse à tous les repas. Tu ne sais pas parler français. Manger là, ça dit tu es repas. Hein? Hein? Eh, parce que le petit, elle a parlé bien. On a les députés. Il n'est pas sorcier. Hein? Il n'est pas sorcier. Elle dit sorcier, c'est une bonne chose. Mmh. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux ta délivrance. Donc parle à tes délivrés. Si c'est ça, vous êtes réveillés, voilà. Personne ne dort. Elle a transformé le poisson en viande. Tu es devenu sorcière. Tu te retournes dans le monde là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle t'a donné la chair humaine. Tu as bu le sang et la chair humaine. C'est comme ça l'initiation. Et pour t'en demander quoi? Après, j'ai demandé papa. Tu as tué qui? Quel papa? Où il est? Il est déjà mort. Tu l'as tué, il l'a mangé. Tu l'as mangé. Oui. Tu as marié quelle partie? La tête et le cœur. La tête et le cœur. Oui, avec quelle sauce? Je suis très curieux. Avec sauce. Vous aimez sauce? Vous aimez bonne sauce? Moi, je suis très bon. Voici le sorcier délivré. Acclamez le Seigneur. Bien, 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 bien. Dis-moi, tu as raché. Bien, 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 bien. Oui, comment est-ce? C'est pour lui qu'on délivre ici, bien. Vous priez. Vous avez délivré ça, hein. Il y a un assez sorcier. Oui. Ils l'ont chassé à cause de sorcellerie. Sont... Voilà, vous n'avez pas dit mon nom. Tu tues avant. Oui. Tu as tué qui est qui? Il a tué mon papa. Mais trois frères. Et puis, ma part, mon grand-père était comme ça. Et puis, on a vu deux petits au village. Deux petits au village. Oui. On m'a chassé du rapport. On t'a chassé. Oui. Et nous avons frappé. On était huit personnes. Voilà, pas quoi là. Qui mangeait. Oui. Là, tu faisais quoi là-bas dans le travail là? Je dis sorcier. Voilà, faux bio. C'est tout pour vous. Tu faisais comment?
Je veux dire, on peut 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 dire. Quand tu cuis, tu fais quelle sauce? Arachide. Sauce arachide. Quel bon moment de donner un goût? Tu as été délivré ici? Oui. Tu es sûr? Oui, je suis sûr. Mais avant la vie, comme je mange, au même temps, je perds. Je ne sais pas que je fais. Mais quand je suis venu ici, papa m'a délivré. On acclame le Seigneur. Il est même dans ma chambre pour attaquer. Oui, non, combien obligé, oui, dans le groupe. Oui, c'est ça. Je suis parti le voir. Sorcier attaque tout. Et qu'est-ce que tu as vu? Oui. Combien autre chose? On acclame Jésus. Il y a que des idées. On a dit. Les gens disent qu'on a été délivré, mais on ne peut pas le voir. Regarde, on va faire le film, on va faire la rencontre. On a dit. Mais il travaille. Il a ma charge, il m'a tout donné. Tous ses petits besoins, c'est moi. Oh oui, mais il n'y a pas de problème. Si je ne suis pas là-bas, c'est pas mon problème. Et Dieu, il va te dire, non, non. Comme l'homme a toi la vie, même la tirée, ils se sont passés. Oh, Dieu, t'as vraiment été lui-même. Et Dieu, c'est bon. Et là, c'est bon. Soit vous comprendrez comme ça que j'en capte ici. Les autres, c'est bon. Il y en a pas de problème lui-même, là. Quand mon portable sort, quand on voit mon nom, mon frère, on est là où vous ne pouvez même pas même. On est là où vous avez vraiment la foi. Là, là, de nous. On voit ça. On a vu la voix sur le bonheur. On a vu la voix. Ils sont tous là sur ma chasse. Et là, on voit pas de l'argent pour les nourrir. Et avec la vie. Pour les enseigner la parole de Dieu. Pour les aider. Tu as vu? J'ai vu là. Tu es là pour encore. Et tu as vu? Oui. Ça te dit qu'ils sont délivrés. Et bien, ça fait comme vous. Tu peux délivrer. Tu as fait quoi encore? Tu ne parles pas encore. Tu as combien de papa? Oui. Tu as fait comment que tu es? Mais faut expliquer comment on prend ça. Tu as marché comme ça? Non. Hein? Mais de transformer le pervier. Et puis il a dit son nom. Oui. Quel était son nom? Oui. Tu t'en veux aussi? Si tu as appelé son âme. Oui. Et parle, oui, t'as même parlé. Oui. Bon, procède à ma main, ça le soir. On va prier pour les gens aïe. Pourquoi il y a tous les objets? Et si ça a dit à minuit, il y a des gens qui ont fait le qui veut parler de sorcier? Viens, la fille la rue. Va t'asseoir. Comment t'appelles? Les gens qui viennent ici comme moi. Comment tu réagis à ton père, Jésus? Hein? Tu es sorcier? Oui. Qu'est-ce que tu peux dire que tu es sorcier? Je m'envole. C'est tout. Je mange la chair humaine. Qui t'a donné? C'est l'ami de mon frère. Comment t'as donné? Il m'a pris ça dans le couteau avec la sauce de pêche. Il a transformé le poisson en chair humaine. Et puis la nuit est venue me comparer avec le monstre du diable. Maintenant, quand c'est arrivé dans le monstre du diable, il m'a donné son humain avec la chair humaine. Maintenant, quand j'ai bu, il m'a demandé de donner livrer ses mains. Donc, il livrait ma grand-mère. Quand il livrait la vie,
Oui. Elle était couchée dans la chambre. Elle était couchée dans la chambre. Donc, elle est partie. Il a dit que non, hein, je suis venu pour qu'on a combattu dans le monde spirituel. Mais donc, quand j'ai vu qu'on a combattu dans le monde spirituel, je lui ai dit non, on met en chocolat. Mais après, il est dans mon corps. On a mangé le. Moi, j'ai mangé la tête avec le cœur. Maintenant, le jeu, lui, il a mangé les avec le pain. Maintenant, quand j'ai mangé, il est fâché, tu as encore vu les filles me donner. Alors, quand il m'a donné, il a dit, il a donné aussi les enfants de ma grand-mère. Il a donné aussi. Combien d'enfants? La première, c'est une mère pour moi. J'ai donné 7 kilos sur 2. Quoi? Et t'as fait encore? Maintenant, il m'a dit de venir en profiter. Donc, j'ai arraché ma maison. Ça me va où? Il y a un enfant. Il y a un enfant. Sa mère est où? Bon, on a fait le monde. Maintenant, quand ma maman, on a mangé le cœur. Et là-bas, en tant que pourquoi on a fait? D'accord, on a mis un peu de temps. Maintenant, on a mangé le cœur. Ce que j'ai gardé, il y a un peu de temps. Son papa est où? Il y a un peu de temps. Il y a qui? Maintenant, quand il y a mon papa, j'ai gardé son travail. Comment tu as gardé le travail? Comment tu as bien gardé? C'est ta fille? Ok, ta fille, dès que mon papa, il vient boire. Maintenant, il travaille à la mine. Maintenant, il y a à la mine là-bas, on travaille ici. On augmente son salaire. Maintenant, j'ai bien fait pour ne pas faire un coup de commande. Ouais, mais qu'est-ce que tu as fait là? Comment tu as fait? J'ai mélangé ta tête. Comment? Pour ne pas faire un coup de commande qui puisse bien. Tu as mélangé comment tu l'as fait? Quand on lui pose des questions, il ne peut pas bien. Donc, comment tu as arrivé à mélanger la société? J'ai parlé à la maison. Tu as dit quoi? J'ai dit aujourd'hui, j'ai mélangé ta tête pour ne pas que. Je veux bien travailler dans ton travail. Mais quand j'ai fini, le moyen de te parler, c'est de boire au chien. Maintenant, la nuit, le message, c'est de boire la nuit vers plusieurs, 2 heures. Maintenant, j'ai pris le boire en fait comme monsieur le monsieur. Maintenant, quand j'ai fini, le monsieur est mort. Le monsieur n'était pas mort. Mais quand le monsieur, on est parti, je fais. On est parti, on a pris la vie pour aller lui mettre. On l'a envoyé à la question. Maintenant, quand on a fini, maintenant qu'on a fini. Je n'ai pas compris là. Qu'est-ce qu'il a envoyé à ta famille, le monsieur? D'ici hier, toi, tu étais où? Moi, j'étais à la maison. Mais comment tu as suivi ce monsieur d'ici hier, toi? Il voulait que mon papa puisse avoir des problèmes. Alors, c'est ton papa? Ah, d'accord. C'est ton papa, maintenant, je n'ai pas dit ceci. Ton papa envoyait un monsieur scier les bois. Et toi, tu as fait tomber le bras sur le sieur. Ah, d'accord, je comprends. Vous donnez les problèmes à ton papa. Et... Allons-y. Maintenant, mon grand-père. Non, l'affaire de monsieur qui est tombé. Non, tu as fait tomber quoi? C'est pas fini. Maintenant. Comme on a fait la vie, on a expliqué. Maintenant, quand une des filles qui ont fait tomber quoi, la fille de monsieur, ils ont appelé mon père pour dire que le sieur, la voix est tombée sur lui. Là, quand ils sont partis, le poil de mon papa est parti, il est parti voir où le poil était tombé. Maintenant, quand ils sont partis, le poil était tombé sur le pied de le monsieur. Maintenant, le monsieur l'a crié, il était évanoui, il a crié. Maintenant, qu'il a crié, mon papa a pris que vous parlez le poil dans le chien là-bas. Là, quand ils sont partis, le poil dans le chien là-bas, ils sont partis, les parents des jeunes, ils sont venus le poil à crier. Là, quand ils sont venus le poil à crier, ils n'ont plus parlé à Tibo. À Tibo. Non, tu expliques bien le monsieur à l'hôpital. Maintenant, les parents du jeune homme voulaient convoquer mon papa. Maintenant, il y a un temps qui lui a dit que mon père portait une sueur. Maintenant, après ça, il est parti. Maintenant, l'autre affaire,
mon grand-père qui m'avait envoyé d'aller prendre la vie de mon papa pour prier. Mais après, j'ai parti prendre la vie. J'ai mis la vie. Donc, j'ai mis partie de le monde spirituel. Lorsque j'ai parti de le monde spirituel, j'ai mis ça dans la main de mon grand-père. Maintenant, mon grand-père a pu voiler pour le temps. À côté de la maison, il y avait un gros bois là pour toute l'argent. Voilà. Maintenant, allez.